50. Qui veut essayer? Il est sur le portant du tatouage. Bon, bah, ils veulent pas de pantalon, alors peut-être qu'ils veulent une veste. Oui, il a le numéro 6 qui est une redingote grise. Une redingote? Redingote. Oh là là, attendez, on va les mettre. Oh, ça, c'est la redingote, ça. C'est ça. Allez, 50 euros, une redingote. Portée par Belmondo. 50. Bon, ben, ça vous intéresse les costumes ou pas? Oui. Parce que sinon... on va voir. Ah, 100 là-bas, merci. La belle redingote. C'est fait, tout à fait au fond là-bas. Merci. Ah, quand même. Ensuite. Ensuite, ce sont les costumes portés par Jean-Paul Belmondo dans Tailleur pour dames, en 1993 et 1994. Là, c'est le lot numéro 7, un pantalon belge. Alors, un pantalon porté par Belmondo. Un pantalon de belge. 50 euros. Non? Personne pour le pantalon? Alors, voyons ce qu'il y a à la suite. Un tel pantalon. Le numéro 7 bis, également un pantalon belge. Un autre pantalon de belge. 50. Toujours aussi enthousiaste. Voyons la suite. Le numéro 8, une veste beige. Ah, une veste écrue, elle est beige comme une poche grosse. Regardez, très portable cette veste. Allez, 50 euros. À 50 nous sommes, une veste portée par Bebel et tout à fait portable. L'été prochain, regardez. À 50. Non? Alors voyons ce qu'il y a après la veste. Le lot 8 bis, veste belge. Une autre veste belge. 50 euros. 50 euros la veste belge. Hein? Elles sont un peu avachies là. Toujours aussi enthousiaste à 50 euros. Non? Alors la suivante. C'est le numéro.